Bonjour Internet, aujourd'hui on va s'attaquer à l'idée répandue que l'art contemporain serait une arnaque. On va décrypter ça ensemble et je vais vous montrer que c'est complètement faux, que les gens qui pensent ça n'y connaissent absolument rien en art et que ce sont des arriérés débiles à bouffer du foin. Je suis condescendant et c'est normal parce qu'on parle d'art contemporain, bienvenue. Il y a une idée très répandue qui consiste à dire que l'art contemporain serait une arnaque. On la trouve de manière plus ou moins subtile, tant dans les grands médias que chez certaines personnalités publiques. Spoiler alert, c'est complètement faux. Cette pensée prend racine dans deux choses qui sont 1. La mécompréhension totale de ce qu'est l'art contemporain, et c'est souvent des gens qui s'y intéressent pas qui se sentent légitimes d'en parler. L'art dégénéré, qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est un art qui inverse les valeurs et qui promeut le lait à la place du beau. Qui veut que le lait soit le beau et que le beau soit le lait? Bon, écoute-moi bien, espèce de pompe à merde. Quand tu vas chez le dentiste, tu lui dis pas comment faut faire. Tu lui fais confiance. Et bien là, c'est pareil. Et deux, la confusion entre l'art et le marché de l'art. Mais avant d'attaquer le gros du sujet, on va rapidement définir ce que c'est que l'art. Définir ce que c'est que l'art contemporain, c'est quelque chose de compliqué, et ça fait des millénaires que des gens cherchent à le faire sans vraiment s'accorder. Mais il y en a un qui l'a fait de manière efficace, et c'est ce gros bâtard d'Aristote. Aristote, hein? Aristote. D'Aristote. D'Aristote. Aristote! Pour lui, toutes les actions des êtres humains sont décomposables en trois agir. Le premier agir est l'agir pratique. Il s'agit de fabriquer des objets physiques qui remplissent une fonction. Par exemple, si on fabrique un crayon, c'est pour écrire. En bout de ligne, ils sont prêts à prendre toutes vos notes. Si on fabrique un verre, c'est pour y mettre du contenu pour pouvoir le boire. Le second agir est l'agir théorique. Il s'agit de produire une pensée, un raisonnement, une logique. Et le troisième agir, c'est l'agir poétique. C'est une production physique qui n'a pas de but précis et dont l'interprétation reste ouverte. Le sens dépend de celui qui le regarde. Voilà, c'est une définition très simple de ce que peut être l'art. Par contre, définir sa fonction, c'est un peu plus compliqué. En fait, l'histoire est plus complexe. Dans l'art contemporain, il y a eu des sauts, des ruptures qui ont fait qu'on a redéfini plusieurs fois ce que c'était que la fonction de l'art. D'une manière classique, la fonction de l'art était de représenter le monde. Il y avait des médiums bien définis, principalement la peinture et la sculpture. À l'époque, on ne faisait pas de distinction entre l'art et l'artisanat. On étudiait la plupart du temps auprès d'un maître avant d'exercer soi-même. Mais représenter le monde n'était pas le seul but. Les artistes essayaient de le faire de manière harmonieuse et symbolique. Et parfois, ils allaient au-delà de ça. Comme chez Bosch et ses visions tout droit sorties de l'enfer. Arcimboldo, qui créait des portraits dans des natures mortes. Vers 1840, on invente un procédé qui fixe les images obtenues avec la caméra obscura. C'est le début de la photographie. Photo ! Photo ! Photo ! Cette invention libère donc l'art de la fonction de représentation fidèle du monde. La même année, on invente le tube de peinture, ce qui permet aux peintres de sortir de leur atelier et de devenir mobiles. C'est le début de l'art moderne, en gros avec le courant des impressionnistes. On a moins de représentations, les mecs se lâchent un peu. On commence à voir des individus qui développent une vision qui leur est propre. On passe quelques détails et on arrive au début du siècle dernier, avec la star du game, l'enfoiré qui a fait basculer l'art du côté obscur de la force, Marcel Duchamp. Le type a tellement matraqué l'anus de l'art qu'aujourd'hui encore personne ne va conceptuellement plus loin, et tous les rastas blancs en école d'art option gros joint se pignolent encore dessus. Pour la faire courte, où c'est qui le patron ? Où c'est qui le patron ? C'est le premier à avoir réduit l'intervention artistique avec les ready-made, qui sont juste des objets manufacturés qu'il présente dans des galeries. Ces objets avaient une fonction pratique avant. Souvenez-vous des trois agirs d'Aristote. Mais en les déplaçant et en les signant, il offre aux spectateurs la possibilité de les apprécier pour d'autres raisons. Ce qui est drôle dans ce truc, c'est qu'il choisissait précisément des objets esthétiquement neutres, mais la célébrité qu'il a obtenue ensuite l'a placé lui et ses productions en tant qu'icône, ce qui a de fait recréé une esthétisation de ses productions et a complètement fait foirer son intention. Parce que justement, il y a le danger d'en faire trop. Et parce que n'importe quoi, vous savez, aussi laid que ce soit, aussi indifférent que ce soit, deviendra beau et joli après 40 ans. Comment doit être regardé un ready-made, perçu? Il ne doit pas être regardé au fond. Il est là simplement. On prend notion par les yeux qu'il existe. Mais on ne contemple pas comme on contemple un tableau. La vie de contemplation disparaît complètement. Simplement,
prendre note que c'est un porte-bouteille, ou ça c'était un porte-bouteille qui a changé de destination, puis c'est tout. Un pyrrhic du plaisir, je veux dire, ça, pour vous, ça ne ressemble pas à autre chose. Non, évidemment, ça prend le côté un petit peu de drogue. Duchamp a produit des œuvres qui ont influencé toutes les productions artistiques du siècle et agrémenté celles-ci de théories solides. À partir de lui, le mal est fait. L'art n'a plus à représenter quoi que ce soit et il peut être suffisant de présenter des objets. On passe de la représentation à la présentation. Du coup, on est définitivement débarrassé de l'artisanat qui devient à part. On peut être artiste sans être artisan. Artisan sans être artiste. On peut être aussi artiste et artisan. La maîtrise technique n'a plus d'importance. C'est pour ça que beaucoup d'artistes aujourd'hui font appel à d'autres personnes pour réaliser des œuvres. Ce qui est important, c'est pas que ça vienne de nos mains, c'est plus dans le bon choix de ce que l'on veut présenter et le sens ou pas que ça a. Il faut le savoir, hein. Mais en même temps, le fait d'avoir libéré l'art de l'artisanat est aussi un problème. Si on peut présenter n'importe quoi ou presque, qu'est-ce qui fait que certaines pièces sont choisies pour aller en galerie et en musée et d'autres pas ? Parler d'arnaque dans l'art contemporain est souvent dû à la confusion entre l'art et le marché de l'art. Il y a des gens qui considèrent que l'art, c'est l'ensemble des choses que l'on trouve dans les galeries et les musées. Alors là, on va clarifier un truc aussi. L'art n'intéresse pas grand monde. C'est plutôt normal. C'est quand même un peu un truc de bourgeois qui veulent décorer leur salon. Et en tant qu'artiste, tu intéresses une très faible minorité dans cette minorité. Tout le monde s'en fout. Pour moi, penser que l'art contemporain peut être populaire, c'est une notion très chelou. C'est un truc de niche qui intéresse presque personne et c'est normal. Normal, ça part. Si ton kiff, c'est de faire des photos de trous de balles géants, c'est normal que les gens ne créent pas un fan club. 95% de ce que je vois en art, je trouve ça à chier, et c'est normal. Tout ne peut pas plaire à tout le monde, et le plus tu t'y intéresses, le moins tu trouves de trucs nouveaux. C'est aussi pour ça que les prix sont chers. Ça vend hyper rarement. Quasi tous les artistes que je connais ne sont pas riches, et c'est pas parce qu'on met une croûte à 3000 balles qu'elle se vend. Au contraire. Mais comme j'ai dit, c'est pas fait pour être populaire, et les bourgeois aiment acheter des trucs un peu hors de prix. C'est dans leur ADN, ou je sais pas. Le fait que ça soit trop cher crée de la valeur aussi. Ils aiment avoir précisément une croûte qui vaut 3000 balles. Il y a aussi quelques personnes qui sont responsables de la notion d'arnaque dans l'art. Jeff Koons fait produire des sculptures géantes dégueulasses qui ont comme unique but d'exister sur le marché et de se vendre cher. Il ne considère pas que le bon ou le mauvais goût existe, seulement sa présence sur le marché. Seulement du moment que ça fait du bif. Et ça a marché pour lui, mais faut pas en faire une généralité. Ils sont très peu comme ça. Ils sont médiatiques, donc on les voit beaucoup, mais ils sont qu'une poignée. C'est sûr que quand on voit ça, on peut se dire un peu que ça fait plein de fric facilement, en se tapant des queues, mais c'est faux. C'est aussi faux que de penser que tous les youtubeurs se font le fric de Norman, et que tous les rappeurs gagnent autant que Booba. C'est pas ça la réalité. Et dans tous les domaines, t'as des gros bâtards qui sont connus, et qui sont des couilles en or, mais c'est pas la majorité. Ce qui amène l'argument suivant. Devant certaines merdes qu'on trouve en galerie, il y a souvent des phrases type « ma petite sœur ferait mieux que ça ». Et parfois au niveau de la production, c'est vrai. Mais c'est pas ça le taf. Une fois que t'as ta peinture de merde, essaye de la faire rentrer dans une galerie si c'est facile. Si t'arrives à vendre ta merde au prix de l'or, vas-y fais-le, on te regarde hein. En vrai, c'est dur d'exister sur le marché de l'art. Et pour des bonnes raisons. L'offre est beaucoup plus abondante que la demande. C'est pas faire la croûte qui est compliqué, c'est de la foutre dans une galerie. Et la plupart des œuvres ne sont pas sur le marché. Et encore une fois, on reprend la définition d'Aristote, ce qui m'amène aussi à une autre chose qui est fondamentale. L'art ne te doit rien. L'art n'a pas de fonction unique et définie, la notion d'escroquerie est donc un non-sens. Si un type se fait des millions en peignant avec sa bite et que c'est dans les musées, bah c'est de l'art. L'art s'est débarrassé de la virtuosité technique de la représentation, c'est une discipline ouverte, sans but universel. C'est quelque chose qui se passe entre l'artiste, l'œuvre et le spectateur. Chaque spectateur est libre d'être sensible ou pas. Mais dire qu'il y a arnaque dans l'art contemporain, c'est penser que toi, dans ta petite tête de moineau, tu sais ce que c'est mieux que tout le monde, mais c'est pas le cas. L'art ne te doit rien. Il y a des artistes qui chient dans des bocaux, et c'est de l'art. Ça veut pas dire que c'est ni profond, ni intéressant, ni que ça se vend, mais c'est de l'art. Pendant la création de cette vidéo, je suis tombé sur un article de Grégory Chatonsky sur son blog, qui traite de la même chose, qui s'appelle « La haine de l'art contemporain, idéologie et économie », que vous pourrez retrouver sur chatonsky.net, et le lien est dans la description. Il traite un peu du même sujet, mais c'est mieux dit. Voilà, je pense avoir fait rapidement le tour de cette question très très gonflante quand on est un peu dans le milieu. Si vous avez aimé, tant mieux, et si vous n'avez pas aimé, allez vous faire enculer, filmez-vous, et avec un peu de chance, vous finirez en galerie.